Salut tout le monde. Alors désolé, j'ai complètement pas pensé que la chanson serait aussi courte. Je pensais que ça allait être un peu plus long et que j'aurais un peu plus de temps. Bon, ça change pas grand-chose parce que je suis prêt maintenant. Vous avez les petites bites de ma manette qui se déconnecte, qui se reconnecte parce que c'est rigolo. Hop, et c'est parti. Ah non, c'est pas parti du tout en fait. Ma manette est déconnectée. Très bien. Un peu chaud. Allez la manette. Nickel. 80% de batterie, ça a l'air plutôt pas mal. Et c'est parti! Faut que je baisse un peu le son dans mes oreilles. Alors je suis arrivé niveau 31. Parce que Tifa sait pas faire d'émote et du coup ça m'a donné de l'XP. Non, grâce au Capra démon. Non, pas grâce au Capra. Enfin un peu. Non. Si, grâce au Capra, mais surtout grâce au démon de qu'il y avait là-dedans là. Le démon de. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, ils sont recassés les trucs. Le démon de la bouche là. J'ai déjà perdu son nom à lui. Bon, on s'en fout, j'ai défoncé. Yugamour. Ah, mais c'est trop mignon ça, Yugamour. Alors attendez, je sors du mode studio pour mon VS. Ça sera bien. Alors, on évite de mettre la souris dans le truc. Alors, ça, j'ai pas compris c'était quoi l'intérêt en fait. Parce que quand ils te tombent sur la tête, bon ok, d'accord. Mais quand ils sont posés au sol là comme ça. À part de filer sans âme gratos et de te faire perdre un petit peu de temps à les tuer. Il se passe pas grand chose. Ah, le dragon béant. Ouais, bah j'ai démonté le dragon béant. Là si je dis pas de conneries, j'en viens d'ici. Enfin j'ai déjà été par là. Quasiment sûr de déjà avoir été ici. Je vais descendre un peu pour vérifier, mais. Un couloir avec des caisses. Ouais, ça me dit trop quelque chose. Je suis venu par là. Hein. C'est par là que j'ai trouvé le chemin pour aller à l'échelle. Ouais, mais j'ai trouvé un peu facile en fait, par contre. Mais j'avoue qu'il est un peu stylé avec sa méga bouche et tout. Alors je sais pas physiologiquement comment ça fonctionne, l'histoire du dragon béant. Mais ouais. Il essaie de manger le sol aussi. Attends. Dragon béant. Ah oui d'accord, le dragon géant, ils se sont trompés, ils ont mis dragon béant. Bah ça c'est le problème de traduction, hein, c'est ça. Bon lui il veut pas se battre, il a vraiment pas envie de se battre, donc n'allons pas nous battre. C'est qui lui? Ah mais il a des lunettes. Résine de pain doré. Ah, j'en ai fait foudre sur la main droite. Ça a l'air bien ça. Je peux en acheter 3. Et il n'y en a plus. Okay. Boîte sans fond. Boîte à inventaire près du feu. Pied droite cristalline. Espadon de cristal, bouclier de cristal. Ah, ça a l'air bien aussi ça à acheter. Des flèches. Flèche en bois, flèche simple. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. On va acheter des flèches. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. We'll make another fine trade, of course. Bah écoute mec, t'as des trucs à vendre, c'est possible qu'un jour je vienne t'acheter des trucs aussi. Ouais c'est vraiment, t'achètes les flèches une par une quoi. Vas-y bah je peux acheter d'autres flèches, j'achète d'autres flèches. De toute façon j'ai rien à gagner à garder des âmes. Comme ça quand je mourrai bah... Tifa il va prendre son Théo, hein, il l'aura mérité. Clé du hameau du crépuscule. Alors, où est-ce que j'ai trouvé cette clé? Je n'ai aucune idée.
Putain, c'est ouf comment ici la lumière elle est pas pareille que ici. J'ai un peu l'impression que cette porte elle emmène dans un monde démoniaque. Et que du coup, je vais me faire attaquer par des dés qui seront méchants. Bon, sinon, tu fais à Brainstorm, comment vous allez? Par contre, je m'enfonce. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Ces trucs en bois là. Avec genre dans le speedrun, les gens ils sautaient et après ils tombaient à des endroits. C'est de la toile d'araignée qui est par terre? Le problème avec les toiles d'araignée, c'est que souvent il y a des araignées après. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, donc là c'est le moment où je fais plus du tout plein de dégâts par rapport aux ennemis. Mais ils sont juste bourrés les mecs en fait ou quoi? Ça file combien d'âmes ça? 500 âmes, ah ouais c'est sympa du coup. Tourte à la bouse. Oh, mais ça a l'air super bon. Miam, 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 j'ai bien envie de goûter la petite tourte à la bouse. Bon, c'est quoi cet endroit, franchement, en vrai? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hameau du crépuscule. Ah, bah ça a l'air sympa. Ok bon. Encore une petite tourte à la bouse. Et ça c'est vraiment trop stylé. Par contre. Attends, je vérifie que c'est bien cet anneau là qui me rend de la vie quand je tue des trucs. On sort le PV des ennemis tués, c'est ça. Merde. Ok, nickel. Une tourte à la bouse. Ok, d'accord. Je crois que je commence à comprendre le concept de les mecs filent des tourtes à la bouse. Par contre, moi j'appelle pas ça un hameau, hein. J'appelle ça éventuellement un tas de détritus, mais. J'ai un peu envie de sauter pour aller récupérer ce qu'il y a là-bas, mais après je sais pas du tout comment je remonte. Et si ça se trouve, il va y avoir un milliard de trucs relous. Donc je vais plutôt continuer par là. Ah, parce que lui, par exemple, il a l'air un peu chiant. Putain, ils sont fous ces mecs-là. Je l'ai mérité. Je l'ai mérité. Non, à la limite, ouais, je veux bien savoir où j'ai eu la clé, le Brainstorm. De toute façon, je l'ai déjà eu. Je sais pas où j'ai récupéré, mais. Si ça se trouve, c'est le truc que j'ai eu contre le dragon béant, justement. Et que, genre, faut tuer le dragon béant pour avancer. Techniquement, c'est un peu du spoil. Enfin, non, du coup, que je demande, mais. Ouais c'est ça, c'est le dragon bien qui l'a droppé. Ce qui m'étonne pas en fait. T'arrives devant la porte, y'a le dragon et si tu veux rentrer dans la zone, bah il faut le tuer.
Et du coup, par contre, les mecs ils sont vénères. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais parce que ça aurait pu être, hein, mais là, franchement. Bon. Dans l'idée, ça aurait été beaucoup plus embêtant si. Ok, d'accord. T'as envie de mourir en fait, c'est ça? Tu veux te repentir d'avoir été un con toute ta vie? Non mais sérieux? D'où il m'a eu? J'avais pas de quoi contrer, c'est ça? Trop lent monsieur, trop lent. Rendez-moi de la vie. Ça me rend un carreau de vie. Enfin c'est pas des carreaux mais... Je pensais tellement pas qu'il me touchait là. Ok, et son deuxième coup il le fait que s'il voit qu'il va pouvoir nous toucher. C'est intéressant. Ok, donc encore une tarte à la bouse, putain les mecs. Bon, apparemment ils aiment bien manger ça, ils ont tous une dans leur poche. C'est genre leur maman qui leur a fait. Y'a un mec qui me jette des couteaux là, je suis pas fou. Y'a un mec là-bas, il me jette des couteaux. Par contre, je vais me faire empoisonner comme un connard. Ça, ça a causé qu'une aille empoisonnée de l'autre mec là-bas. 100%. C'est vrai que la tarte à la bouse. Il est où Mister Couteau là? C'est le mec qui est là-bas. Il se bat avec quoi lui? Un truc qui jette des couteaux là? Ou est-ce que Michel Couteau il est encore en train de jeter des couteaux? Grande dame de mort vivant. Ok. Il est toujours là, Mister Couteau. C'était quoi ce truc? Il s'est pris pour un habitant de la forêt? C'est toi qui es trop, c'est trop mignon. Ouais, la hallebarde elle est trop bien. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé dans le cimetière. Ou alors j'ai droppé sur un mec, je sais plus. Ou si je l'ai peut-être droppé sur un mec qui avait une hallebarde aussi. Ouais, ça me dit mille fois quelque chose. Oh putain de merde. Laisse-moi repartir. On va aller par là-bas. Voilà. Pourquoi ils sont pas morts là, alors que vous avez plus de vie là? Ouais. Voilà. Alors, le truc de la Lord, c'est qu'elle a... C'est vraiment une arme de grosse de pu. Hein. Enfin, c'est un peu l'arme du mec qui a pas trop... qui a pas trop d'honneur, quoi, qui s'en fout. De taper de loin...
Ça fait trop flipper ça. Je sais pas ce qui m'éclaire mais ça me fait peur. Y'a un truc là. Là y'a un petit chemin là. Genre brainstorm, il sait où je l'ai chopé et tout. Il connaît tout. Je sais pas trop ce qu'il a le mec, on dirait qu'il a, il a un morceau de quelqu'un. Genre il a pris un quelqu'un et il en a fait une arme. C'est ça hein, il a pris un, c'est un espèce de truc. Une âme de guerrier anonyme, ok très bien. Enfin, je dis très bien, mais. En vrai, j'en sais rien. J'ai plutôt retourné un peu dans le début. Oh putain, c'est quoi ce pont? Qu'est-ce qu'il y a, Tifa? Qu'est-ce que. Mais genre, Tifa, il a des emotes MV. Depuis quand Tifa, il a des emotes MV? Qu'est-ce qui te rend confus, Tifa? Une âme de noble chevalier, ça doit être bien ça. Non, vous pensez pas? Je pense que c'est pété. On va peut-être pas faire trop le con. J'ai vraiment l'impression que je vais tomber hein, avec ce sol de merde. En fait ils sont nuls hein. Ils me font peur un peu vite fait mais en fait ils sont nuls ces mecs là. Ah ok, et là je vais arriver au niveau du mec qui me jetait des couteaux. Ouah, le kappa vert. Genre le kappa costumé quoi. Ou le super kappa, je sais pas trop. Ah d'accord, c'est parce qu'il y avait deux petits ponts en fait. Okay. Fais le jeu au fruit, on verra s'ils sont nuls. Bah écoute, est-ce que le vrai truc c'est que c'est eux qui sont nuls ou est-ce que c'est toi qui sais pas jouer au fruit? C'est ça la vraie question. Moi je pense que si on joue au fruit bien, bah ils sont pas nuls. Ils sont nuls aussi. Bon, j'ai choisi classe aventurier, j'ai pas choisi classe dresseur de lion quoi. Bah mais j'avoue que Brainstorm t'avais l'air de dire hier que le fouet c'était quand même bien de la grosse merde. Et honnêtement l'idée de jouer avec un fouet moi ça me paraît comme étant quand même une mauvaise idée. Descendre. Ah il y a une échelle ici. Putain cette bourgade elle a l'air d'avoir été faite par des mecs bourrés qui voulaient pas qu'on se repère quoi. Ok, là, donc là il y a un mec qui a essayé de m'aggro et qui est mort, je pense. Genre il m'a vu dans un coin, il s'est dit je vais le tuer et il est tombé. Allez, Tifa, t'as pris l'abonnement chez MV, genre pour profiter du truc Twitch? Qu'est-ce que c'est que cette emote là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, waouh, waouh! Mais alors, vous allez mourir, madame. Madame, monsieur, je sais pas trop. Non, mais c'est quoi ça? Putain, on dirait un chien, et en fait, non. C'est genre un lance-flamme. Le piège, quoi.
Vous êtes nul, monsieur. Vous allez mourir ou vous allez tomber? Bah, vous allez juste mourir. Ouais, donc là, il faut sauter pour aller récupérer le mec là-bas. C'est un peu ça, ouais. Une cabane dans les arbres faite par un groupe de gosses et qui ont passé je sais pas combien de temps. Mais moi ça me fait pas confiance. J'ai vraiment l'impression que ça va s'écrouler. Hein. Un petit saut là pour aller... C'est vraiment un truc de gosse quoi, avec, avec des endroits où tu peux pas juste y aller quoi. Oh. Ça a l'air trop bien ça, la tenue de l'ombre. Et là c'est le précipice. Le décès. Qu'est-ce qu'on a alors? Tenue de l'ombre, ça a l'air vachement cool. C'est un peu moins bien que ma tenue de base, si je dis pas de conneries. Ça résistance mieux au saignement et au poison. Ça pourrait être pas mal, vu que là, ils ont l'air de quand même pas mal me faire poisonner, les mecs. Vas-y, j'essaie de la mettre pour voir. Je viens de signer porté par les espions d'une province de l'Est, conçue afin de ne pas gêner l'exercice de leur art martial particulier. Bien qu'elles sacrifient la défense au profit de la mobilité, elles offrent tout de même une bonne résistance au saignement et au poison, entre autres. Peut-être une raison de la nature de leur quête. Puis bon, elle sera quand même plus wagon en truc comme ça normalement. Ouais, le casque des gargouilles est vraiment trop stylé. Je suis trop swag. Tu trouves pas que je suis trop swag? Enfin, je sais pas, je suis à moitié swag, je trouve. Un peu de bide, hein, on dirait. La tenue dans l'ombre, dans le noir, je suis sûr qu'on ne voit pas. Et bah si, un petit peu quand même. Putain, je dois être vachement gros quand même, il suffit que je marche sur un vase pour le casser. Cassez-moi tout ça. Alors, ah, il y a un mec ici aussi. Putain, je te trouve tellement d'âme. Seulement je savais à quoi ça sert. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'avance par là-bas ou est-ce que j'avance par là-bas? Oh. Putain, c'est tellement compliqué de savoir où vaut mieux aller. Il est pas mort? Et l'autre avec ses putains de couteaux de Jean-Michel connard. Je vais pas être mécontent de lui mettre ma lance dans la gueule à celui-là. Mais comment est-ce que je l'atteins? Je trouve un endroit où je peux le viser avec mon arc et comme ça, hop. Une flèche dans l'œil et c'est bon. D'accord,
D'accord, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que je fais du truc et... c'est quoi déjà? C'est R1? Non, c'est pas R1. Mais il est où ce connard en fait? Je sais pas. J'arrive pas à savoir où il est ce con. C'est pas ça, c'est pas ça. Il est caché quelque part. Putain, c'est pas drôle, monsieur, c'est pas drôle. Genre, je me blesse. Il faut que je fasse tout le tour, ça veut dire. J'entends des putains de bruits de pas de je sais pas qui. Non mais c'est quoi ce truc? Je sens que si j'essaie de le défoncer, je vais mourir. Normalement, si je rate mon saut, je suis rattrapé dans le truc d'en dessous. Non, mais tombe pas trop! Il y a des trucs qui font goula 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 là. Ah, l'échelle est là. Mais monsieur, cassez pas les vases. Ah bah je peux remonter. Ça tombe bien. Ah, et je suis re tout en haut en fait. Ah en fait je voulais juste pas essayer de sauter. Parce que là du coup c'est l'endroit où j'essaie de sauter, ok. Mais non mais là c'est plus le stream du matin du tout hein, je vous entends mais... Enfin je sais pas, moi j'ai été manger mon repas du midi, du coup je me dis c'est extension du stream du matin, c'est bonus. Ah mais il est mort lui en tombant dans ses vases? Quel con. Enfin quel con. On lui aurait proposé, il aurait peut-être décidé de pas mourir. Donc toi t'es mort. Ça rien de te... Le mec il peut se déguiser en bout de truc autant qu'il veut. Vas-y, viens là un peu, avance un peu. J'ai tellement cru que j'allais tomber. Bouclier de l'aigle. C'est ça hein. Meilleure résistance à la magie. Très bonne résistance à l'électricité. Ah ça je pourrais m'en servir du coup contre les dracs. Les dracs de type Drake hein. Non j'ai enlevé le 8LF. Je me suis dit ouais 8LF je sais pas trop. Parce que 8LF en fait il faisait pas trop genre il avait peur hein. Il faisait genre un peu genre je sais pas, il me faisait plus penser à un genre de OMG Scout LF. LF Scout. Ouais, ok, donc là il y a ça, très bien. Mais encore, qu'est-ce que j'ai. Putain, c'est cet endroit quoi, cet endroit.
pas évident de se repérer. Hein. J'imagine les gens qui ont un sens de l'orientation qui pue le caca. Comment ils doivent s'amuser ici? Ah, il y a une échelle ici. Heureusement qu'il y a des mecs qui viennent m'attaquer des fois, comme ça je peux. Je peux voir un peu leur truc. Ils servent à rien. J'ai bien fait de monter ma truc, ça permet de leur. Ma vitalité, je crois que c'est la vitalité, ça permet de plus leur taper. Comment ça j'ai un sixième sens? Ben non. Par rapport à quoi? Ok, je vais faire ça. Ah, re-eux là. Putain mais merci la caméra, merci la caméra. Franchement, je trouve que c'est un peu surfait quand on voit les adversaires. Donc merci la caméra. Voilà, celle-là je m'en doutais que je me la prenais. La deuxième là, je vais pas vous mentir, j'ai vu venir de loin. Hop, spéciale d'astuce. Mais ils font tous du poison, donc je regrette tellement pas d'avoir pris ma protection au poison. Et l'autre il a sauté dans le vide ou quoi, l'autre mec qu'il y avait avec l'autre? Ils étaient deux hein. Il y en a un qui s'est suicidé quoi. Ouais mais ça c'est la peur de... voilà. De moi, je lui ai fait peur avec mes casques. Ah et là c'est l'endroit où il y avait un mec qui faisait des couteaux au début. Mais pas du tout, hein, ça m'avait jamais dit ça. J'aime bien LF. C'est juste que je trouvais pas, je sais pas. Il fallait faire du tri. En fait, je le trouvais pas le mec parce qu'il s'est suicidé. Et c'est pour ça que j'ai eu un drop de champignons qui m'est arrivé de nulle part. Je pense. On va dire que c'est ça. Ok, bon, ça j'aime mieux hein, déjà. On va pas se... Oh putain, en fait, j'aime pas mieux. Je veux dire, j'aime mieux parce que voilà, c'est dans du caillou machin. Et en fait, que dalle. C'est juste du caillou pendant 1 mètre et après, on renaît sur du putain de bois de merde. Alors toi mon petit bonhomme, il va t'arriver à une sale histoire. Voilà. C'était évident. Il fallait pas monter l'échelle pour venir me contester. Très bien. Je sais pas ce que c'est. C'est ce qu'il y a... Ah bah bosse bien. Bon bah on y retourne. Ah putain mais ils vont tous être vivants ces connards aussi ça veut dire. Ah, c'est vrai que c'est un méchant lui. Je sais pas, je vois un mec avec une torche, je me dis tiens villageois. Mais non. Bah je sais pas, moi la main elle avait pas l'air si méchante que ça. Hein. Bon après elle était peut-être pas méchante jusqu'au moment où on décide de lui mettre des coups de halbarde dans la gueule. Je sais pas, tout à l'heure je lui ai jeté des flèches et elle réagissait pas, elle avait l'air de dire bonjour, j'aime bien les flèches. Non non, je voulais faire A, je voulais faire A. C'est quoi cette histoire de villageois qui font dong? Je comprends rien. Ouais vas-y viens te taper. Attention si on avance trop vite on target le deuxième coup. Oh mais genre. Là je me prends un coup. Merci bouclier. C'est important quand même le bouclier.
j'ai fait le con. Et là j'ai refait le con. Et là j'ai refait le con. Je mérite tellement ce qui m'arrive. Bon mais y'a plus de raison d'aller dans ce village à la con en fait, maintenant que je suis mort et qu'il n'y a plus d'âme. Après avoir tué tous les mecs, j'ai encore tout paumé, putain. Mais il est pas nul le plugging. C'est toi qui es nul. Salut Gonzo. Le vrai problème c'est que les égouts je les ai explorés. Je crois pas qu'il me manque beaucoup d'endroits que j'ai pas vu dedans. Si je vais là-dedans, enfin, j'ai pas trop d'autres endroits à visiter en fait. Ou alors, sinon, il faut que j'aille taper les Drakes. Oh merde. Heureusement qu'il avait moins de portée sur le deuxième coup. Je sais pas combien d'âmes j'ai paumé en crevant là juste avant comme un blanc. J'ai bien paumé 5000 âmes, je suis sûr. Facile. Lesquels, ouais, c'est ça. On est d'accord, j'ai pas mis plein d'âmes. Putain, je me fais attaquer par tout le monde. Il est sérieux? Calmez-vous dans le chat. Vous êtes complètement taré. Non mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi cette attaque de merde là? Cassez-vous! Qu'est-ce qu'il m'a fait le mec? Pourquoi il m'a fait ça? J'ai un peu l'impression qu'il faudrait que je fasse quand même deux dégâts de plus hein. Juste histoire d'arrêter de me faire de devoir leur mettre. Enfin ça me ferait gagner un hit quoi. Très bien. J'ai aimé le moment où le mec est monté et moi je suis descendu en même temps et ça go. Mmh.
donc c'était par là qu'il fallait que j'aille. Ils sont deux là? Mais pourquoi ils sont deux? Tout à l'heure ils étaient un. Ah puis un mec derrière. Qu'est-ce qu'il y a, Tifa? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'en ai marre d'aller là-bas, c'est pas drôle, je vais me casser. Je sais pas, d'un autre côté, je me dis que ça me fait un peu chier de repartir et de laisser toutes mes âmes et tout. Faudrait que j'aille améliorer un petit peu ma... Faudrait que j'améliore un petit poil ma hallebarde et ce serait OP. Bon, si je remets encore comme une merde dans cette zone, qu'est-ce que je fais? Je vais là où il y avait les drakes. Je vais y voir pour défoncer les drakes. Vu que j'ai un bouclier qui protège de la foudre, je me dis, ça se trouve, ça peut le faire. Et puis sur la route, j'améliore ma hallebarde. Tellement me faire défoncer par lui là. Ce putain de mec. Ouais, je sais pas, les drakes, je suis tombé dessus tout à l'heure et ils m'ont craché de l'électricité. Et ils m'ont tué. J'allais avancer, hein. Comment je... Je sais pas. J'ai compris comment il fallait les battre, mais il y a des fois où je suis tellement confiant que ça va bien se passer, que du coup ça se passe méga mal. En tout cas, c'est gros sac, il bouge pas. La prochaine fois que je joue à Dark Souls, je pense, si je me refais une partie, je me ferai un gros sac. Oh putain, et ouais, mais ça c'est parce que j'ai plus de... J'ai plus de... d'endurance, alors du coup le bouclier marche plus. Pourquoi je suis mort là? Ah ok. Non, j'ai pas one shot, mais je l'ai défoncé du premier coup. C'était le Caprato, j'étais trop content en arrivant dedans. J'ai fait ouais, le Caprato. Et après il m'a one shot. Enfin non, je l'ai one shot. Je suis arrivé, il y avait son chien qui m'a attaqué, là je l'ai tué, après il y a son autre chien, je l'ai tué. J'ai eu un peu de chance parce que les chiens ils sont un peu allés se coincer dans leur... Il y a un chien qui allait se coincer, du coup j'ai pu le tuer tranquille. Bon, je me casse, hein. La zone elle est trop relou là. C'est par là, ouais, c'est par là. Bah non mais ouais, j'oublie un peu. Bon, par contre c'est où la suite là? Faut repasser dans l'eau ici peut-être? Les chiens du Capra, j'aurais fait comme ça, genre fait... Ah non mince, pas comme ça. J'ai fait comme ça, voilà, hop. Et après il y avait un autre chien, genre comme ce chien là, et je lui ai fait... Putain mais ils étaient moins chiants les chiens du Capra. Et voilà, même pas. Ok. Voilà, comme ça. Mais les stuffs, j'y comprends rien. Des fois, je meurs et j'en ai 10, et maintenant je meurs et j'en ai 5. Oh putain, oh popette. C'est la première fois que je tue des gens avec cette attaque. Ça a bien marché. Mais non, mais je le visais là et tout, et j'ai de l'endu.
Oui, on m'a expliqué que c'était 5 et après on pouvait en avoir d'autres si on faisait des trucs, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. J'ai pas trop compris. Non, mais j'ai compris que je pouvais en avoir en débloquer des en plus. Mais c'est tout. Village des Marions. Du coup, c'est pas là du tout. Ah oui, ils sont chiants. On va plutôt passer par en haut. On va tuer le mec avec son arc là quand même. Putain. Le type il vise et genre il tire 2 minutes après, mais il s'en fout que t'aies bougé quoi. C'est pire archer. Avant d'aller voir les Drakes, j'ai envie d'aller voir le... Comment ça s'appelle le... Putain, mais c'est quoi ce système de visée nul? Putain. Tu vises un mec et ça te fait tomber dans le trou. Ah, puis je reprends là. Ah, ça me fait chier. Ça me casse les couilles. Ça m'emmerde. Là, officiellement, ça me fait chier. Du coup, quand ça me fait chier, je tue plus rien et je cours. Et soit ça passe, soit je vais recommencer. Casse-toi, toi, putain. Vas-y, bah, tue-moi. Vas-y, t'es content. Même pas, t'es nul. Casse-toi. J'ai un bon sens de l'orientation, hein. Après, et y a, ça joue aussi, ça m'aide, ça fait que je suis pas trop perdu. Bah, je suis sorti des égouts, il y avait un mec qui me bloquait le passage, j'ai voulu le cibler pour taper dessus, et ça l'a ciblé, et le mec il a fait un pas de côté dans le vide. Parce que voilà, il a décidé que c'était quand même plus drôle de tomber. Allez, prenez ça. Non mais les gars, franchement. Par contre, je serai à votre place et je me ferai esquiver la bite comme ça, je serai un peu déçu quoi. Mais j'ai pas voulu contourner l'ennemi, hein. J'ai pas voulu le contourner l'ennemi. J'ai voulu le viser pour pouvoir le tuer. Et le mec, il s'est dit, ah tiens, et si on faisait un petit pas de côté, trop stylé, machin, et je suis tombé dans le vide. C'est méga chiant. Franchement, il y a un, je trouve ça hyper relou de mourir dans les trous dans le jeu. Je trouve ça vraiment trop chiant. L'autre coup, j'ai paumé. Tout à l'heure, j'ai paumé 20 000 âmes en mourant dans un trou. Enfin, je suis même pas tombé. Enfin, c'était pas vraiment un trou. C'est genre juste, je sais pas, le mec il a raté une marche. Et il est tombé de tout en haut d'après le papillon. Et j'ai pas réussi à y retourner. Ta sœur, toi, putain. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un mec en dessous là. What s'en fout. Ça, j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Ça sert à ranger des trucs, mais je vois pas l'intérêt vu que je peux tout porter. Enfin. C'est qui? Ah, mais oui! C'est celui que j'ai libéré tout à l'heure. Enfin, hier. Médaille solaire, bah, ça a l'air bien. Enough for you. Well, let's not be greedy now.
Femme gardienne de feu pour en voir si tu es. Eh ben, allons-y. Allons-y. Voilà. Je sais pas c'est quoi les âmes de gardienne de feu. J'ai ça comme objet. C'est des objets, je sais même pas si je les ai. Enfin, je pense, sinon j'aurais pas pu, mais. Âme de machin. J'ai pas d'autres armes de gardienne de feu, par contre. Eh ben oui, peut-être, mais c'est pas le cas. J'ai pas voulu me soigner, mais je suis pas mort, donc he's ok. J'ai envie de voir mon efficacité versus les momies là. Avec ma nouvelle hallebarde. Putain. Enfin, le cimetière il est trop stylé aussi hein. Elle est par là. Je pense que c'est plus stylé de faire les catacombes. Ça a l'air moins chiant que l'autre partie. Je galère moins à tuer les momies qu'autre chose. Faut juste voir par exemple, genre contre le gros là. Comment ça se met. Ah, lui ça le démonte pas. Lui. Ouais, les squelettes, ouais. Ouais, c'est plus des squelettes que des momies. Bon, en fait, les squelettes, momies, machin. Bon. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. Est-ce que je retournerai pas visiter les autres parties? Ouais ouais, en fait je m'en vais, je reste pas. Je vais aller prendre l'ascenseur. Putain, j'ai tellement envie de tuer le pigeon aussi. Ou alors sinon, est-ce que j'irai pas. J'ai envie d'aller voir si je peux pas rebattre le démon du refuge version 2 là qui m'avait défoncé tout à l'heure. Maintenant que j'ai mes nouvelles armes, peut-être je peux envisager de le tuer. Oh, des nouveaux mecs. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Est-ce que je peux utiliser directement un objet depuis ici? Genre. Genre c'est quoi? Les squelettes momies. Laissez les momies tranquilles. Les momelettes. Oh, les momelettes c'est trop bien. Ah mais je suis trop stylé comme ça en fait. J'étais tout moche mais c'est parce que j'avais j'avais la malédiction des trucs machin. Mais sinon je suis trop stylé. Oh, you again. What business have you?
Don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? Pourquoi elle ouvre pas la bouche? I should think not. Did I not explain the urgency of our tasks? Okay. Who are you so un... Vas-y, ça va quoi. Non, il faut que je prenne l'ascenseur. Je vais retourner versus le démon du début là. Parce qu'elle parle avec ses fesses. Et si elle arrive à parler comme ça en faisant des petits proutes, elle est super habile. Le caca collé au mur, le caca dans les égouts. Ok, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin d'attendre. Je suis pas sûr de toujours comprendre ce que vous racontez. Ouais, en fait, je peux skipper toutes ces cinématiques que j'ai déjà vues. Non mais ta mère! Il m'a tellement esquivé pour de vrai. Alors, est-ce qu'il va me défoncer comme le truc ou pas? Bon, dragon errant. Non, démon errant, c'est démon errant, il m'a tué deux fois. On recommence. Ouais, je crois que je vais pas y arriver. En fait. Non mais oui, non, on va refaire, oh, trois fois. Mais c'est des morts un peu trop expéditives en fait, c'est-à-dire que là, je suis pas capable de... Ah mais c'est trop bien. Non mais je vais pas me faire attaquer par un putain de zombie en plus là. Et là le problème c'est son feu en fait. Bon, je vais y aller, je vais mourir encore une fois, histoire de récupérer mes âmes et puis enfin pour voir si je peux les récupérer et puis tant pis. Et donc il s'est assis sur moi. Il m'a retué deux fois. Oh
Eh bien, ça ne m'intéresse pas, en fait. En fait... Je me sens pas capable de le battre, en fait. Allez, encore. Mais non, non, non. Non, non, non. On va aller battre les Drakes. On va aller voir les Drakes. On va aller dans l'endroit où il y a les Drakes. Et on va équiper le bouclier de Lek. Et là, on essaie de pas mourir. Ouais, c'est bon, je suis pas mort. Je suis pas mort pendant le trajet en pigeon. C'est une bonne chose. C'est pas la première fois que je tombe comme une merde comme ça. J'ai perdu 2000 âmes, mais bon, ça... Hein. C'est parti des trucs qui arrivent. Je vais remettre mon truc d'aventurier du coup pour me protéger plus de la foudre. 10, il en a 13. 13 aussi. Là ils sont morts. C'est tous ces mecs là qui respawnent pas, c'est trop triste. Bon, c'est méga loin les Drakes par contre. Si j'arrive pas à les tuer, ça va être un peu la loose parce que du coup je saurais pas du tout où aller. À part retourner au truc du début là, mais c'était pas très très cool. Parce qu'il y a encore un feu avant que je puisse être là-bas. C'est tellement chiant de pas pouvoir se TP comme on veut. Ah, j'ai pas ce fragment de Titanic. De Titanite. Titanite scintillante pour les trucs de l'ombre. Ah, les trucs de l'ombre, je peux les booster avec de la Titanite scintillante. Et tout le reste, c'est du fragment de Titanite. Sauf... Ah non, le casque de gargouille, je peux le booster aussi. Ah ouais, mais ça donne... Ouais, je sais pas si c'est vraiment, vraiment voir site. C'est que des fragments de Titanite aussi, là. Ah non, ça c'est une écaille de dragon. J'ai pas les thunes. En fait, que je vais mettre. Ça a l'air sympa, ça. Je testerai plus tard. Le fragment de Titanic. Il
Bah oui, mais je me pose plein de questions. Hein. Bon, il est où? Là, je sais qu'il y a des arbres à la con, là. Allez, viens vous battre. Ta gueule. Cherche pas Bobby, tu sers à rien. T'es pas au niveau. Je vais pas faire ça du tout. Voilà. Là, on prend par ici, on prend le petit chemin qu'il y a là. Hop. Alors on va pas aller se taper contre le putain de truc qu'il y avait dans le lac là, qui avait l'air d'être méga relou et qui me mettait midlife, qui avait l'air d'être une sorte de dragon des eaux, je sais pas quoi. Et on va aller par ici. Je crois que c'est par là. Non, de toute façon faut que je descende au maximum. Parce que ouais, là-bas il y a un dragon, je sais pas trop ce qu'il fait et tout. Mais je sais pas trop si je peux me battre contre lui. Ce qui fait penser un peu au dragon rouge qui faisait du feu et que tu peux pas faire grand chose. Tac, il a passé par là. Là, il y avait un chevalier noir machin, je l'ai déboîte. Après, faut aller là. Et après, il y a une grotte et après, il y a les drakes. Non, c'est plus haut la grotte. Des eaux, pas des eaux. Ouais, donc là il y a le feu, le dernier feu avant les dragons. Hop. Comment c'est trop flou? Gonzo Pagouzo. Donc c'est là où il y a les drakes. Ouais, ça s'appelle la vallée des drakes parce qu'il y a des drakes. Si je vais tellement chier, putain. Putain, mais Jean-Michel Le Drake qui me fait je sais pas combien de milliers de dégâts là. Ouais, je mais je sais pas où aller, tellement les mecs ils sont tous trop forts. J'imagine que si je fais ça, c'est un échec. Je crois que ça va être un échec. Je crois que je vais me casser les genoux. C'est ça, je me suis caché. Les drakes, je peux pas les tuer. Je crois qu'ils sont trop forts. Putain, je peux récupérer mes 0 âmes. C'est trop bien ça. Mais je sais qu'il y a un endroit où il y a un truc que ça me permettrait d'être plus tranquille. Mais bon, les momies, je suis moyen chaud d'aller me battre contre elles parce qu'elles sont un peu reloues. Les putains de mecs dans leur tunnel là, ils sont méga relous aussi. Même si en vrai c'est eux que je bats le plus facilement. Logiquement c'est là-bas qu'il faudrait que j'aille je pense. Mais c'est vraiment trop chiant comme endroit. Et puis il y a là. Et après, il y a l'autre démon là, le boss là, mais le boss il est un peu comme les drakes, il me défonce. Allez! Allez! Ah, je suis désolé, mais le Drake il est tellement parti en couille. C'est peut-être normal, hein. C'est peut-être ça la strat. C'est peut-être pour ça que vous voulez pas me donner de conseils. Parce qu'en fait, la conseil c'était juste attends, il va sauter dans le vide. Mais
fait, je commence à me dire que je m'en bats les couilles de me battre. J'ai juste envie de savoir s'il y a un truc au bout du chemin. Je suis assez fan de ces petits chemins à flanc de falaise, sauf que je vais tomber. Et que ça va être vraiment nul à ce moment-là. Mais sinon, j'aime bien l'idée, quoi. Oh putain. C'est vivant, ça. À tous les coups, ça, cette espèce d'énorme cadavre, il est vivant. J'ai envie de m'approcher quand même. Il y a rien là. Putain, âme de noble chevalier, ils ont l'air un peu en slip quand même. Il va tellement me tuer. On s'en fout, j'ai rien. Je reviendrai quand j'aurai mis le flèche. Ah mais c'était évident qu'il allait être vivant, c'était sûr. On me l'avait fait plus moi les culs de l'embuscade. Comment ça il reste un objet à prendre? Il reste que dalle un objet à prendre. J'ai pris l'épée de la main droite et le bouclier machin. Épée droite d'Astora, oh elle a l'air stylée. Elle fait des dégâts magiques aussi. Elle tape magie. Ah, du coup ça pourrait être intéressant pour certains ennemis peut-être. Oui, c'est ça, c'est une étape magie parce que c'est pour ça qu'il faut que j'ai de l'étoile pour l'équiper. Ok. Ah, très bien, ça m'intéresse absolument pas du coup. Bon, rendez-moi mon cimetière. D'ailleurs, est-ce que je peux. Est-ce que je suis un mec complètement, enfin une fille complètement ambidextre ou pas? Ah ça marche, ok. Ça sent l'embrouille là-bas aussi. Allons voir dans la chaumière là-bas. Ouais, le dragon il m'a quand même un peu mis une énorme baffe. Hein. Ok, bon là il y a un endroit qui va déboucher là-bas, de là-haut. Ah mais on serait pas dans l'autre bout de la grotte de merde là fait par les putains de débiles? Oh putain. Putain mais quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, on arrive là-dessus. Hein. M'enchaîne pas, ok ça m'est pas enchaîné. Bon t'es mort. C'est à prendre.
Pourquoi j'ai des bombes incendiaires d'équipées? Bon. Valigar, j'ai tué le Capra et j'ai tué le démon dragon béant. Et j'ai commencé à explorer cette zone-là de l'autre côté, ça m'a saoulé et du coup j'ai décidé d'explorer pour trouver un autre endroit et j'arrive de l'autre côté de cette zone-là. Donc voilà, je vais te donner une idée. Donc j'ai exploré les égouts, j'ai exploré à peu près la ville des zombies, j'en ai exploré pas mal, le haut, le bas. Et là cette zone-là, je sais pas, j'avais exploré jusqu'à un endroit où il y a une espèce de grosse de poulpe à moitié ou je sais pas quoi. Et puis j'étais mort, j'ai pas réussi à retourner, ça m'est... Le marathon de 03K, ça a l'air assez, assez chiant. Et donc là j'arrive complètement de l'autre côté, ça a l'air vachement mieux quand même d'arriver de ce côté là. Et voilà, et bah j'étais de l'autre côté. En fait, j'ai tout traversé du hameau du crépuscule quasiment. Clé des ruines du nouvel Londo. Alors je sais pas si vous vous souvenez du moment où j'ai expliqué qu'il y a quand même pas mal de fois où j'avais envie de tuer des trucs parce qu'ils étaient mignons. Genre... Voilà, c'est quoi ça? Et bah sachez que le truc... Putain, c'est une tique en fait. C'est des putains de tiques. Mais ça faut les tuer. Ouais, donc des fois là, il y a des trucs qui sont tellement mignons, je trouve que ça donne méga envie de les tuer, de les manger. Un petit peu comme le truc qui m'a donné la titanite scintillante, qui avait l'air vraiment trop mignon. Par contre, lui là-bas, là, le truc là qu'il y a derrière, on le voit plus là, tant mieux pour tout le monde parce qu'il est dégueulasse. Bah, il est tellement dégueulasse que ça me donne un peu envie de le tuer aussi. Ça c'est con, j'essaie de l'attaquer alors que je connais même pas ses patterns. Et merde. Mais calmez-vous dans le chat, oui, vous êtes. Vous m'avez l'air bien excité aujourd'hui. Ça non pour plus être toxique. Putain. C'était pas le truc violet le toxique. Ah, bon, j'ai récupéré une clé. Voilà. Est-ce que je peux m'en servir ou est-ce qu'il faut que je retourne dans cette putain de grotte relou là? Non, c'est pas du tout là, c'est là. Clé de la nouvelle Londo. Pour la grille entre la nouvelle Londo et la vallée de Drake. Ah, bon, on retourne dans la vallée de Drake alors. Ah, mais c'était peut-être la grille qu'il y avait à côté du mec après le dragon que je me suis dit qu'il était pas mort et qu'il était pas mort. C'était pas ça. Alors par contre je vais regarder un petit coup dans mon équipement parce que je sais qu'il y avait un truc pour le toxique. Ah ouais, c'était celui-là. Ça c'est le poison et ça c'est le toxique. On va plutôt... Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça.
Bon, moi je parie sur un suicide du Drake. Hein. Il a raté le suicide. Il a raté le suicide. Il a voulu faire l'attaque en piqué. Il a raté le suicide. Je pense qu'il va se lasser. Est-ce que lui il est toujours un peu vivant ou... Ah oui, il fait plus du tout genre, il est mort par contre. Je vais jamais pouvoir repasser. Je vais jamais pouvoir repasser dans ce putain de truc devant lui là. Peut-être il me voit pas. T'as vu qu'on dit il restait pas d'objet, ce que tu racontais. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes pas beau, monsieur. J'ai pas trop envie de l'affronter maintenant. Je pense que j'aurai envie de l'affronter la semaine prochaine, ça sera bien. Mais là, là, je suis pas chaud. Non, franchement, je m'achète 50 flèches et je reviens. Alors est-ce que la clé que j'ai trouvée, elle ouvrirait pas la porte? Trop bien. Trop bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus? Putain, le nouveau Londo... voilà, ruine de la nouvelle Londo. Putain, ruine de nouveaux trucs. Il fait quoi, lui? Il dort juste un jour. Oh, il a la flemme. Il veut pas se battre. Nous ne nous battons pas. Ok, ils sont juste tous complètement fous. Très bien. Bon, j'ai rien contre les zombies fous. L'attaque mauvaise haleine. C'est ça. Âme de guerrier anonyme. Putain, j'ai plein d'âmes. Alors, j'en ai pas dans ma poche là, mais j'en ai. Enfin, j'en ai pas vraiment en termes de machin. Est-ce que j'ai des âmes mais... Enfin, je me comprends. Vous me comprenez aussi. J'ai des âmes de trucs. Où est-ce que je vais aller en haut, là? Est-ce que ça va m'emmener vers le haut ou vers le bas, d'ailleurs? Vers le haut. Allez, remontons en haut. Ils sont en vacances. Moi, je sais pas s'ils sont en vacances, hein. Eh, hey, j'ai renvoyé l'ascenseur, comme ça si je meurs, de toute façon si je meurs j'arrive tellement à l'autre bout du monde. Où est-ce qu'il est le feu de camp là? Sanctuaire de l'Ichefeu. Ça me dit quelque chose le sanctuaire de l'Ichefeu. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Où est-ce que je suis au sanctuaire de l'Ichefeu? Ah, trop stylé. Bon bah j'ai trouvé un raccourci. T'as déjà le fait d'avoir trouvé un raccourci, c'est trop bien. Non mais si, voyons le beau côté des choses, j'ai trouvé un raccourci. Du coup maintenant je peux facilement décider de retourner de l'autre côté des trucs machin des morts vivants là sans être obligé, enfin des égouts. Bon en vrai j'aurais eu 5000 âmes ou 10000 âmes, j'aurais peut-être été les rechercher, mais j'en avais tellement pas beaucoup là, 2000, ah bon. Hey, mais du coup, le fait de avoir envoyé l'ascenseur, il y a pas de... J'ai cru qu'il y avait pas de levier. Non, mais en vrai, on est d'accord, avoir un raccourci, c'est quand même stylé, non? Sauter, bah ouais mais non, là j'ai compris que ok les ascenseurs on pouvait pas vraiment les bypass quoi. Non tu peux mais tu meurs, donc c'est pas vraiment en fait. Bon par contre il fait un peu nuit partout dans le jeu là où je délire.
Alors je pense qu'on peut les tuer les mecs, mais ça me f... On a peut-être pas besoin quoi. Je pense que c'est mieux de respecter la trêve. Ah, une épée des stocks. De toute façon c'est bien ça, une épée des stocks. Ça tape moins fort que le cimetière. Ah mais c'est l'épée de Zop du mec du début là. Ouais ok. Ça voltige pas beaucoup. Ouais c'est vrai que c'est marqué c'est Dark Soul le nom et pas Light Soul. Encore un mec dans une cruche. Malédiction fugace, et bah ça a l'air intéressant. Ah j'ai cru qu'il faisait de la pêche mais en fait pas du tout. Putain ça fait penser à la ville dans le Seigneur des Anneaux. Enfin pas dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit. Est-ce qu'on peut nager? Pas chaud. Après je me dis si on peut pas nager on peut pas récupérer ce qu'il y a là-bas. On peut pas nager. On peut pas nager. C'est très bien. Ah peut-être qu'il pêche en priant. Il prie d'avoir du poisson et tout ouais. Ah il pêche en priant car il a pêché. Très bien, très bonne blague. Enfin très bonne blague. Si je trouve que c'est pas mal. Non mais, à quel moment je peux savoir à l'avance que le mec il sait pas nager? Ah merde, attendez, j'ai un problème. Est-ce que j'ai plus de batterie de manette ou est-ce que c'est autre chose? Ma manette est devenue rouge, je sais pas pourquoi. Mais j'ai même pas d'armure, c'est pas une armure que j'ai, c'est un manteau et des manchettes et des bottes. J'ai pas d'armure. Si tu meurs 100 fois dans l'eau, tu débloques une arme qui permet de finir le jeu. Waouh. Mais genre les armes que j'ai, elles permettent pas de finir le jeu aussi. Waouh, le whiff trage. Je trouve que les mots de Swift trage, vu que c'est pas la tête de Taylor Swift qui gueule, et bah c'est un peu raté. Genre là j'ai un item, je sais pas ce que c'est, qui s'affiche là, qui se met en mode ouais trop cool, je raconte mais enfin en toute ma barre de vie là j'ai un item qui s'affiche, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est, je... Bon, par contre moi du coup je me demande comment est-ce que je suis censé réussir à aller là-bas si je peux pas aller dans l'eau. Parce que ça a l'air d'être quand même un peu un endroit où faut nager. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, du coup ça marche pas. C'est rigolo ça. C'est rigolo mais pas du tout en fait. D'accord, très bien. Donc moi je peux pas les toucher et elles s'en battent les couilles complets que j'ai genre un bouclier quoi. On est d'accord, bon ça va. Apparemment on n'est pas obligé de se battre. On peut décider de rester chacun dans notre coin. Bon, l'espace d'une seconde, j'ai hésité à tuer les mecs pour me soigner. Grâce à mon anneau qui rend de la vie quand je tue des mecs, je me suis dit peut-être si je les décime tous, je me soigne. Mais on va pas faire ça. Un idem qui se donne des armes. Ça que vous racontez? Je peux aller voir par là. Peut-être par là, la solution. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping.
It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in the world. Des flèches d'âme. Catalyseur du sorcier. Ok, très bien. M'intéresse pas. De toute façon, j'ai pas de thunes. Ah. D'accord, c'était. Donc, c'était le bout du chemin en fait. Bon après-midi, Brainstorm. À la prochaine. Bon, pas très bien. Bah, je crois que nous, Lando, on a un peu fait le tour pour le moment, vu que les seuls trucs qui semblent y avoir, c'est des trucs que je peux pas vraiment tuer parce que c'est des fantômes. Mais il y a des corniches que j'ai pas explorées là, à l'endroit où il y a le dragon moche et tout. De toute façon, à n'importe quel moment, je trouve 5000 flèches et hop. Peut-être pas 5000 flèches, 50 flèches et. T'attends encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Tu t'attendais à quoi, Kel, c'est. Bah ouais, je suis tombé dans le trou. Mais c'était évident que j'allais tomber dans ce putain de trou. Hein. C'était sûr, à 1000% quoi. Je savais pas trop, je voulais voir. Et puis quand je suis à 0 âme, j'ai vraiment le. Je m'en fous un peu de mourir quoi. J'ai pas exploré de ce côté-là. Ok. Eh bah c'était. Ce fut bref. Non mais je pense pas que je suis vraiment capable de battre le dragon là-bas. Il a l'air de vraiment cracher trop de haine. Et du coup, je vois vraiment pas trop où aller à part aller là-dedans. J'ai pas envie d'aller là-dedans en plus. Hein. J'ai vraiment pas envie, mais. Parce que leur truc en bois là, on peut pas y foutre le feu juste. En vrai. 2-3 allumettes, un petit peu d'essence. Je dis essence, mais un sort boule de feu ça marche aussi, je pense. Ah d'accord. Il m'a eu. À cette distance. Son putain de bout de bois de connard. Je suis mort. Comment j'ai fait pour pas mourir? Par contre, du coup, il y a plein de poisons. On met les trucs de l'ombre. C'est bien qu'il me protège vraiment du poison. Je sais pas exactement quel bouclier j'ai mis, mais c'est un bouclier qui est efficace. Est-ce que je peux le backstab vu comme un gros connard? Je peux. Je sais pas vraiment si c'est un backstab ça, mais. Il est sérieux le mec? Ok. Bon, honnêtement, je pensais pas mourir là. Vu que j'avais mon bouclier qui était. Enfin, c'est pas mon bouclier, mais vu que j'avais. Enfin, si, vu que j'avais mon bouclier en comme ça là, je pensais pas qu'il allait me. Apparemment, j'étais pas. Pas bien. Pas bien synchro.
Donc je pense après que l'épée que la main droite d'Astora, ça doit me permettre de les tuer les fantômes. Mais je peux pas l'équiper. Peut-être qu'il faudrait que je parle au mec qui me disait ouais machin, je peux te faire des miracles ou je sais pas quoi. Mais... Où est-ce que vous êtes les mecs là? Je vois que dalle. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vois que dalle. Putain mais sérieux, par contre ça c'est vraiment nul je trouve hein. Là pourquoi est-ce qu'il m'explose la gueule à moi et le truc il passe au travers de son pote et son pote il a rien hein. T'es mort? Non, il est pas du tout même. Ah, une tarte à la bouse. Putain mais je comprends que dalle, ces mecs ils me défoncent des fois à une vitesse qui me paraît absurde. Que je pense quand j'arrive en bas à tirer le levier. Pour le remonter, comme ça j'aurais pas à attendre qu'il remonte le coup d'après. Putain, je suis mort si près de la porte. Après, je me demande si on peut backstab avec une lance. Une hallebarde. Je vais essayer avec mon cimetière. Il est sérieux? Je vais tellement mourir encore une fois.
peut-être tu meurs. J'étais même pas sûr de le tuer et je me disais bon. Bon, bon. J'ai réussi à rentrer dans cet endroit. Enfin, il y retourne et maintenant. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que j'essaie d'explorer à l'intérieur? Est-ce que j'essaie de tuer l'espèce de mythe? Non, même pas tarte à la bouse. Bon, après la tarte à la bouse, ça m'a l'air quand même un peu pourri. Hein. Je sais pas du tout ce que j'ai le plus envie de grignoter comme ça. Et je comprends que les bouseux là, qui vivent là-dedans, ils aiment bien la tarte à la bouse, mais. Bon, vu que j'ai rien qui soit du toxique, j'ai plus envie d'aller par là. Puis que l'autre côté, c'est pour aller dans les égouts et donc je me fais avoir avec le toxique. Machin chose. Peut-être même équiper ça pour. Et ça c'est pour aller de l'autre côté. Bah je vais pas aller de l'autre côté maintenant, je vais continuer à m'enfoncer plutôt. Disons qu'avec de la chance, je vais réussir à sortir quelque part. Alors je sens doute sortir quelque part. En vérité j'aimerais bien arriver à sortir quelque part moins pire que là où je suis. Ça va, je me suis pas brûlé les pieds en tombant sur la lampe. Sur la torche. Ça m'aurait tellement pas surpris quoi. Non, je vais pas pouvoir Tifa. Par contre, moi aussi, il faut que je fasse des trucs de Pôle emploi, faut que je les appelle et tout après. C'est pour ça que vers 16h, le stream va s'arrêter. Hein, à peu près, parce que j'aurai pas le temps de faire que je fasse du Pôle emploi aussi. Par où on descend? On descend forcément en montant sur ce truc là? Sur cette roue machin qui a l'air d'être horrible? Parce que je suis pas nué des dernières pluies non plus. Hein. J'ai quand même vu des speedruns, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est un endroit où on avait dit ouais, là on peut y aller que en étant du poison et tout machin, je sais pas quoi.
Oh non. Mais non! Non, non, qui dit qu'il faut pas. En plus, je sais hein, que genre on peut appuyer sur carré pour courir si c'est un truc comme ça ou. Après, c'est peut-être pas du tout ça. Mais je voulais sauter sur le truc et tout. Et j'ai tombé un peu trop vite. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de remonter l'ascenseur ici. Bah non, regarde ça, je m'en suis bien remis. Voilà. Bon, par contre, là, je crois que les trois premiers mecs, je vais les snober. Tellement vu tomber. Et ils sont obligés hein, parce que là la lumière elle était trop bien avant et ils se disent non non c'est pas possible, il faut une lumière dégueulasse quoi. Non, j'ai pas un compteur de mort par chute. Mais je pense que le compteur de mort par chute, il est plus élevé que le compteur de mort sur les boss. Ça. Ah merde, mais il y en avait une autre. Pas trop là que je voulais sauter, mais ok. On va dire que ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, on dirait un énorme caca avec des tentacules. Mais regardez, il y avait une. Ah bah non, j'avais déjà vu cette échelle là. Non, mais j'ai cru voir une échelle hein, pendant ma chute. Genre, il y a une échelle quelque part, il y a un truc, il y a quelque chose. Putain, il n'y a pas d'échelle hein. Mais si, je suis sûr, il faut faire une putain de roulade sur ces planches là. Comme ça, voilà. Putain, en fait, j'avais trop trouvé comment fallait faire et je me suis vautré et du coup, je suis mort. Bah, bravo. Ah là là. Ok, donc là, c'est le chemin qui nous ramène en haut. Mais sérieux?
Pourquoi ils ont mis une tourte à la bouse ici? C'est trop nul. C'est bien ça, c'est bien, il y a bien un putain de marais tout poisseux là. Il n'y a plus les petits singes, mais si, il y a les petits singes encore. Ouais, c'est ce que j'ai pensé après, ouais, que c'était sans doute ce con de géant et qui m'avait complètement berné. On va aller courir par là-bas. En fait, ça va, il suffit juste de pas rester trop longtemps dans le marais et t'es pas empoisonné quoi. Qu'est-ce qu'on avait là-haut? Du coup, j'ai rien raté. Non, j'ai rien raté. Ouais. Mais d'où tu viens, toi? Non mais casse-toi, t'es pas un porte-clés non plus. Vas-y, cours assez vite, toi. Grand âme de noble chevalier. Bon là, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de trucs à trouver pour qui aime chercher. Ça marche. Ok, donc en plus j'ai un truc pour soigner de l'emprisonnement, c'est vraiment trop bien. Je me sens safe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Très bien. Vous avez dit des trucs que je one shot, donc ça va. Non, mais je voulais pas faire ça du tout. Pourquoi est-ce que Steam s'est ouvert? Enfin, pas Steam s'est ouvert, mais... En fait, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais voir s'il y avait des trucs, mais il n'y a rien, cassons-nous. Bon, ça vient d'où ça? J'ai l'impression qu'il spawn à l'infini quelque part. Pour l'instant, je suis parti donc sur la gauche et j'ai fait la rive droite. C'était bien un truc. Putain,
Putain, je m'en doutais qu'il me ferait masse dégâts, c'est clair. Ça des arbres cailloux dont il parlait dans l'intro, mais je voulais mettre un coup aussi moi. Pourquoi quand on veut taper en même temps c'est eux qui gagnent? Non mais tape de l'autre côté en fait. Invisible. Grande titanite, c'est une idée. J'en ai plein des grandes titanites vertes, tu pourrais essayer de trouver un truc qui me servira, que je pourrais utiliser, enfin qui me servira de les utiliser dessus. Voilà, je sais pas, c'est des amis parasites dégueulasses quand même, je les tue et tout, mais ça me dérange un peu que ces trucs existent. Hein. C'est pas bien hein, de pas vouloir que certaines espèces existent ou quoi, mais... Oh, un Tumi! Un Tumi! Désolé. Tumi. C'est une tranchante épée courbe, espadon court. T'as beaucoup plus fort. Par contre, il faut 24 en force. Et du coup, je peux pas trop l'utiliser. C'est gentil. Ah, vous êtes des sangsues, vous? Ok. Le lore dit que c'est des sangsues, parce que moi j'aurais plutôt vu des amibes, mais si vous me dites non, c'est pas des amibes, parce que c'est des sangsues. Il y a bah, très bien. Toi les amibes c'était plutôt les autres trucs. Quels autres trucs? Je vais encore être empoisonné. Putain, c'est la fête de l'empoisonnement quand même à cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que ça va m'emmener? Ah cool, il y a juste un mec. Un bouclier ajusté. À qui? Ajusté. Il a l'air particulièrement nul ce bouclier, c'est intéressant mais il a vraiment d'être le pire des boucliers. Des statuettes de beaux amis, ce sera des amis beaux, très bien, très bien. Tout ça pour un jeu de mots. Les trucs qui tombaient du plafond. Ah, c'est vrai que les trucs qui tombaient du plafond, c'était 100%, ça marchait bien pour des amis aussi, ouais. Oh, putain.
Leur méthode de déplacement est lamentable, par contre. Enfin, je sais pas, je les aurais plus imaginés en train de ramper qu'en train de se déplacer comme ça, là, de la manière la moins charismatique du monde. Enfin, je veux dire, ça fait un peu peur, mais quand tu les vois se déplacer, bon, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, je suis assez fan de trouver tous ces mecs. Enfin, genre, j'imagine tellement le type là qui a couru pour se cacher, et puis en fait, ça peut marcher. Parce qu'il y avait 3 ou 4 mecs derrière à l'attendre. Il n'y a personne. Ah putain. Ça déplace comme les chenilles géomètres. Ouais, mais les chenilles géomètres, je sais pas, elles ont l'air un peu moins ridicules parce que. Elles font moins un espèce de saut qui fait. Enfin, je sais pas, là je trouve, elles font un espèce de saut en avant chelou, elles font un vieux plat derrière. Le retour des tics. Merci. C'est vrai que j'ai quand même un peu l'impression qu'elle s'arrête pas ces conneries de tic. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'elle spawn. Je sais pas trop où, mais. J'ai vraiment l'impression que ça spawn à l'infini. Ça va être sympa. Je vais t'empoisonner. Il va falloir retourner dans la forêt pour tuer des arbres. Pour revenir ici tranquillement. Là, je sais qu'il y a un truc où il y avait les tics et après il y a des mecs qui jettent des couteaux, mais. Du coup, j'ai pas trop envie de rester. Oups. Ah, il y a un feu là. Stylé.
un boss là? Personne? Bon. Pourquoi pas? Mais je trouve que ça semblait vraiment, vraiment un piège cet endroit. Pour que ce soit pas un piège. D'ailleurs, j'ai allumé le feu, mais je me suis reposé, hein, j'espère. Je suis même plus sûr. Il y a redémon, ça me donne pas trop envie de repartir de l'autre côté. Du coup, là, à part l'endroit qui monte, j'aurais à peu près tout exploré dans cette zone. Parce que là, je suis revenu à l'ascenseur. Après, à moins qu'il me reste des petits trucs que j'ai pas vu sur les plateformes du milieu. Ah, toi aussi? Ben oui, mais ça m'étonne pas, hein. T'as commencé avec quel cadeau? Comment ça? Au début, j'ai choisi les jumelles. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais c'est quoi ces mecs? Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'ils sont deux. Caillou dans la face. Non merde, c'est pas ça du tout. Et bouclier plus lance, enfin plus halbarde. Une pierre de coup, putain, c'est un peu ça. Voilà, c'était deux pierres et un coup sur mes gueules, quoi. Après, je pense que le fait d'avoir vu un petit peu, même si j'ai pas vu grand chose de toutes ces zones là, le fait de les avoir vu un petit peu. Ah mais non, pourquoi je suis en empoisonnement? C'est scandaleux. Bon là j'ai fait le con. Ah oui, parce qu'elle m'empoisonne aussi, ces saloperies. Et putain, mais tue là, voilà. Celle en dessous de Firelink. Alors je sais pas, Haru. J'ai aucune idée de ce quoi tu parles tant que tu parleras pas avec les termes français. J'ai aucune idée. Le Blinkton, j'imagine que c'est les trucs, la ville avec du bois. Et mais Firelink, je sais pas c'est quoi. J'ai la version française et du coup je sais pas. J'ai pas eu le nom des. Enfin, j'ai pas les mêmes noms. Du coup, je sais pas. Mais sinon, j'ai marché, hein, j'ai trouvé des trucs au pif et. Cette attaque, j'espère que tellement que j'ai pas aggro l'autre. Et j'ai bien fait de trouver le feu, hein, putain. J'ai vraiment décidé de faire le tour au pif, mais vraiment du bon côté, quoi.
Putain, mais stop les doubles attaques, les mecs là. Ah, ok, Firelink, c'est les cheveux. Et bah ouais, bah j'ai trouvé la clé. Enfin, je sais pas. Non, je suis passé par là. Je suis allé dans la forêt. La forêt, j'ai trouvé un chemin vers la vallée des Drakes. Là, j'ai fait le tour. Et j'ai trouvé une clé qui m'a permis d'ouvrir la porte et qui m'a permis d'aller à Lichefeu. Vous voyez là-bas là, les mecs avec leurs cailloux encore là. Pourquoi c'est plus... Putain, c'est plus que 500 âmes ça. Franchement, vu comment ils sont chiants, ils pourraient bien enfiler genre 1000. Bon, on est d'accord, il y a un deuxième mec. Putain, là, il m'a vraiment fait peur. Ce con. Vas-y, jette. Ok, une grande massue. Une grande massue, ouais. Ça m'a l'air un peu foireux ça. Ouais, je suis passé par la vallée des Drakes. Mais bon, la vallée des Drakes, on va pas se mentir, j'ai pris la corniche et j'ai tracé. Hein. J'ai vu les Drakes, hein. Il y en a un ou deux au début, j'ai essayé de les test. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais pouvoir me les faire. Et puis après, j'ai couru. Parce que ça m'avait l'air mal parti. Ouais, ça c'est pour les mecs forts. Moi je suis pas force, j'ai pas de force. Enfin, j'ai de la force un peu, mais je suis plutôt habile que musclé quoi. Essayer de courir là en espérant que ce soit la fin du mal. Ouais, c'est bon. Hop. J'ai pas du tout envie de me battre contre eux. Hein. On peut monter là-dessus, sur ce truc qui est vraiment inquiétant. Moi, ça me... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va se mettre à bouger, ça. Ça me fait penser à Oogie Boogie. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça me fait vraiment penser à Oogie Boogie qui aurait genre ces insectes qui lui sortiraient des fesses. Enfin, qui lui sortiraient de partout. Hein. Ah, salut Wagabou, salut Choups. Voilà, et là je suis sûr, s'il y a un boss, ça va être le boss qui est à moitié une arène... Killag. Est-ce que Killag ça a à voir avec Killai? Je sais, alors le boss. Je crois qu'il y a un boss, genre c'est à moitié une araignée, c'est à moitié une dame. Pourquoi est-ce que j'ai mon arc? J'arrive pas à tuer ça. Mais s'il vous plaît, tue ça, tue-le. Je refuse vraiment de me faire tuer par un ver. Ah non, mais le clavier visuel, c'est le truc que t'ouvres sur ton ordi et puis avec ta souris, tu cliques sur les lettres. Je confirme que ça, c'est bien nul. Enfin, c'est pas bien nul, mais c'est vraiment pas ce que je préfère utiliser. Ah ouais, non, mais ils sont carrément pas de mon avis. Hein. Eux, ils se sont dit, ah putain, vas-y, il a l'air stylé le mec, viens, on le tue et tout.
pourra le manger, ça va être sympa. Je pense que les mecs au caillou, ils respawnent, ouais, ils respawnent. Mais non, parce que Killag avoir les Killag, est-ce que Killag avoir les Killag? Sinon j'imagine bien que Killag a à voir avec elle-même. Putain, je suis mort aussi profondément? Ah non, c'est parce que j'étais en train de reculer. Bah du coup j'ai pas envie de les tuer. Hein. D'un autre côté, ça me fait de la peine de les laisser en vie. Regardez, ils ont l'air d'implorer qu'on les sauve. Je vais leur faire une attaque plongeante, mon bonhomme. C'est vrai. Killag. Ah ouais, Killag, ça marche aussi. Est-ce que j'essaie de les tuer une troisième fois ou est-ce que je me dis bon, on en a pas besoin, on n'a pas besoin de les tuer donc ne les tuons pas. Mais je suis pas dans le machin poison là. Ouais, les petits verres, ouais, les petits verres, ouais. Ils sont trop forts pour toi. Mais non, ils sont pas trop forts pour moi. Non, mais on notera quand même que les petits verres, 100% des problèmes que je rencontre là, c'est dû au fait que j'arrive pas à les viser. Parce que je les one-shot complètement. Tu fais pas mal. Putain, arrêtez, arrêtez. J'ai pas ce genre de problème de verre. Par contre, les mecs que je me tâte à libérer là, enfin à libérer, paye ta libération. Hein. C'est une sorte de libération symbolique quoi, mais en vrai, c'est pas du tout de la libération. Elle est où la porte? Où la porte? Je suis perdu. Oh, c'est de l'autre côté. Allez, je suis paumé. J'étais trop quelque part. Ah mais d'accord, eux ils m'ont aggro du coup. Eh ben on va se taper alors. Putain, y'a une mouche aussi et tout. Vous êtes chiantes les mouches là, wesh. C'est bon, t'es mort. Heureusement quand il meurt, il peut pas me tuer avec son caillou quand même. Hein. L'important c'est de persévérer. Beaucoup de verre dans les poèmes. Vous êtes très en forme en jeu de mots quand même.
Ce matin, c'était pas mal. Déjà, l'après-midi a commencé avec des jeux de mots aussi. Bon, elles sont où mes âmes, par contre, elles sont... Bon, à 100%, il y a un boss de l'autre côté, hein. Genre, ça arrive jamais que ce soit pas un boss de l'autre côté. C'est bien un boss, c'est bien une araignée, comme le laissait présager le milliard de toiles d'araignée. Et donc, il y a bien une dame. Il y a une moitié qui a l'air sympa. Hein. Est-ce que j'ai mis le bouclier qui protège beaucoup du feu? Je crois pas. On dirait qu'elle est absorbée à moitié dans le truc. Là, il protège pas du feu, mon bouclier. Ok. Je crois que je vais réussir à la battre. En fait, normalement, il faut que je reste assez loin d'elle pour pas qu'elle puisse me taper avec son épée. Et là, le feu va s'enlever, du coup, elle va revomir du feu. Ok, pas encore, pas encore. Pas du tout la battre en fait. Genre je l'ai pas touché là. Sauter. Ah merde, fais chier. Allez, j'ai plus de soins en plus, très bien, très bien. Bon. Alors, je vais noter.
lag, elle m'a déjà tué une fois. Je me demande, est-ce que si j'arrête de jouer maintenant par exemple, et que je reviens du coup plus tard, puisque j'ai arrêté de jouer maintenant, est-ce que les... est-ce que les comment dire, les âmes que j'ai perdues, elles seront toujours là où je les ai perdues, ou est-ce qu'elles vont disparaître? C'est une vraie question, hein. C'est pas genre, je veux pas qu'on me réponde ou quoi. Au feu, ça. Résistance au feu, c'est la résistance au feu qui m'intéresse. 26, alors que... Ouais, ok, elles seront toujours là, d'accord. Bon bah je vais essayer de battre une fois qu'il lag, et puis que j'y arrive ou que j'y arrive pas, après j'arrêterai de jouer. Oh putain, j'ai aggro un des mecs. On s'en bat les couilles de toute façon, normalement. Que j'ai un gros un mec ou pas, ça change rien quand je... quand je vais changer de zone. J'aime bien les femmes mystérieuses. Moi aussi j'aime bien les femmes mystérieuses, mais les femmes araignées mystérieuses j'aime un peu moins. D'ailleurs mon personnage, j'ai une femme. Donc c'est un peu peut-être une femme mystérieuse. Mais je préfère la femme araignée dans Undertale. Ouais, Killag, elle a pas le droit de, on n'a pas le droit de revoir sa cinématique. Ah d'accord. Bon. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai des trucs à faire cet après, mais tout, c'est compliqué. Je reviendrai normalement demain, je suis pas streamé dans la soirée. Et du coup demain je défonce Killag. Facilement. Enfin facilement, non, mais c'est demain, c'est ça que je vais faire. Et on verra. Et donc je vais m'arrêter ici. Quitter la partie. Donc je vous laisse, passez une bonne après-midi tout le monde. Je vais sans doute aller hoster quelqu'un, à moins que personne ne stream encore, mais... On va aller hoster Lulu qui fait du Bayonetta. Ça a l'air cool Bayonetta en plus. Et voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et voilà. Des bisous à tous.